4. Ya ine. La gratitude kuwa na shukrani et l'habitude na tabia d'offrir à Dieu ya ku tolea Mungu et aux hommes na ku tolea wanadamu yani watu. Il avait l'habitude alikuwa na tabia de donner à Dieu des petites choses ya kupatia Mungu vitu vidogo vidogo et des hommes na kugabulia watu. Alizoea. Ndio. Il avait l'habitude. Hakukua mutu wakua na ima Mungu. C'était pas quelqu'un qui ne donnait pas à Dieu. Non, non. Mungu anamupa. Dieu lui donne. Bien, Mungu alimupa tena na anamupa mwana. Et ce que Dieu lui a donné, il remet encore à Dieu. Tusikwe saba toto. Et maintenant les enfants. Mungu anakupa. Dieu te donne. Mais unamuima. Et puis tu ne lui donnes pas. Apana. Non. Pas ça, ça c'est... Exemple 1. Mufano wa kwanza. Genèse 18:3. Mwanzo 18:3. Abraham était chez lui. Abraham alikuwa kwake. Il voit trois hommes passer. Kaona watu watatu wakipita. Amen. Amina. Il détecte akagundua que parmi les hommes, yakuwa miongoni mwa wale watu, il y a un qui ne ressemble pas vraiment à un homme ordinaire. Muna mmoja asiyefanana watu wa kawaida. Et ces hommes faisaient semblant de passer. Wale watu wakajifanyisha kupita. Il courut. Abraham kakimbia. Mon Seigneur. Bwana wangu. Mon Seigneur. Bwana wangu. Ne passe pas. Usipite. Il n'a pas dit mes seigneurs. Hakusemaka mabwana wangu. Ils étaient à trois. Walikuwa kwa watatu. Mais comme il était spirituel. Ivi alikuwa wa kiroho. Son intuition spirituelle pouvait détecter la présence de Dieu. Utu wake wa ndani ungeliweza gundua uwepo wa Mungu. De la même façon que un homme spirituel quand il entre dans une église, il peut palper la présence de Dieu facilement. Vile vile mtu wa kiroho anapoingia kanisani, anaweza kagundua uwepo wa Mungu kwa wepesi. Je vais vous dire une chose. Kuna jambo ni tofauti. Un homme spirituel. Mtu wa kiroho. Ou une femme spirituelle. Au mke wa kiroho. Peut entrer dans 5 églises. Anaweza ingia makanisa 5. Il peut vous dire anaweza kuambia, ici il n'y a rien, hapa hakuna là kitu, il n'y a rien, pale hakuna là kitu, il n'y a rien, pale hakuna, là il y a quelque chose. Lakini pale kuna kitu. Ça dépend de votre maturité, yatokana na kukoma unayo, de votre sensibilité spirituelle. Hali yako ya kujihisi ya kiroho. Il a vu trois hommes, aliwaona watu watatu, mais il a vu un. Lakini akagundua mmoja. Mon Seigneur, akamwambia Bwana wangu, ne passe pas. Usinipitie. Ne passe pas. Usinipitie. Venez. Njoo kwangu. Manger. Ule. On vous lave les pieds. Reposez-vous avant de partir. Ah, la Bible est ici. Biblia iko. Ne croyez pas que je mets un peu de... Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Genèse 18:4. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Wakamjibu, fanya vile umesema. Maintenant moi je vous pose la question. Sasa ni waulize. Ils ne pouvaient pas égorger une poule. Abraham huyu hangeweza chinja jogo kuku. Ingebaene. Ingewashibisha wanaume watatu. Saoresifi. Il pouvait égorger une chèvre. Angaliweza kachinja mbuzi. Mais il a pris tout un veau. Lakini akaenda toa kinda la ngombe. Sachant qu'ils allaient manger. Akijua kwamba wangekula. Et qui aurait de reste. Na kungekuwa masalio. Lui ne cherchait pas qu'il soit rassasié. L'honneur seulement. Yeye hakutaka kwamba washibe bali ile heshima aliyowapa. Utapenda Mungu. Tu aimeras Dieu. Kwa moyo wako. Wote. Par ton cœur, de kwa akili yako. De toute ton intelligence. Kwa nguvu zako. De toute ta force. Na kwa mali yako. Amen. Et de tout tes biens. Amen. Amen. Namara namara. Et plusieurs fois. Watu hawajuake kama kuna njia mingi za kukokota basi. Amen. Les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs voies pour attirer Dieu. Na kuna wakati wahubiri wakigusia maneno kama haya. Et parfois lorsque le prédicateur touche ces points, watu wanawaza eti wanatafuta pesa. Les gens pensent qu'ils cherchent de l'argent. Lakini baraka zitakazo kuja kwako ni zangu. Les bénédictions lorsqu'elles viendront chez toi, c'est un péché. Nani atabarikiwa? Qui sera béni? Wewe.
Toi. Bénéficiaire wa kwanza ni nani? Le premier bénéficiaire c'est qui? Wewe. C'est toi-même. Mbona na sisi tunabifanyaka? Mais pourquoi nous-mêmes nous faisons la même chose? Ah, oui, oui. Exact. Tunabifanya. Nous faisons ça aussi. Affirmatif. Amen. Sara, songa bugali mbio. Oui, va malaxer vite. Andam kate. Eliezer na benza kumulete ngombe pale. Va malaxer, puis on amène. Na muivishe mbio. Et puis préparer, soit prêt vite. Iko na basukula migulu. Il est en train de laver les pieds. Sara iko na pika. Et puis Sara est en train de préparer. Kuma chinja kule nyuma. Et puis on est en train de gorger les veaux. Mfanye mbio. Faites vite. Mfanye haraka. C'est après avoir mangé. Ni alipo kwisha kula. Mena ila nona neva. Sasa anakuwa na miaka makumi kenda na kenda. Ili manke inane. Kuna kosa mwaka moja. Dieu rassasié. Mungu aliposhiba. Ili di. Kasema. Où est ta femme? Muke wako ni wapi? Il est dans la tente derrière. Iko jikoni uko nyuma. L'année prochaine je viens. Mwaka kesho nitarudi. Vous avez un enfant. Mutakuwa na mtoto. Sarari. Sara kacheka. Comme dans son cœur de dire. Ça vire moyoni mwa 24 ans passé au kutupa. Bina maliza miaka makumi mbili na ine haukunipa mtoto. Hii moyo njuta tupa. Ah, mwaka moyo inabaki. Hii nane? Mwaka moyo? Nah. Ah, achana na maneno yako. C'est comme si Sara allait dire tu viens de manger. Ni sa vile Sara ngesema umemaliza kukula. Chive il est. Tu es rassasié, maintenant tu commences à parler. Frère Branham dit. Branham anasema. Dieu allait tuer Sarah à 7 minutes. Kwa wakati ule Sarah angeliweza fariki. Directement. Papo hapo. Mais comme Dieu avait dit que c'est elle qui mettrait au monde l'enfant. Vile Mungu alikuwa alisema kuwa ni yeye angeza mtoto. Il allait se contredire. Hangeweza jipinga. Voilà maintenant l'infraction. On a sasa kosa. Kwenye likuwa. Pourquoi elle rit? Kwa nini Sara alichekaka? Je n'ai pas ri. Sara akasema sikucheka. Uko nadanganya Mungu. Tu es en train de tromper Dieu. Kosa ya pili. Deuxième erreur. Kosa ya pili. Anacheka? Alichekaka na nakana. Et puis elle refuse qu'elle n'a pas ri. Kama huamini vitu. Si tu ne crois pas une chose. Nyamaza. Calme-toi, tais-toi. Kama unaona vitu havina valeur kwako. Si tu vois que des choses n'ont pas de valeur. Uko bengine balishaka biona valeur. Il y a d'autres qui apprécient cela. Quelqu'un m'a posé la question. Mtu mmoja aliniuliza. Il me disait, alikuwa ananiambia, chaque fois que je passe devant votre église, kila wakati napita mbele ya kanisa lenu. Je vois les gens se précipiter pour entrer. Ninaonaka watu wakiharikisha kwa kuingia. Qu'est-ce que vous leur donnez? Munawapatiaka nini he? Je n'ai jamais vu quelqu'un si yaonaka mtu devant la porte de votre église à la route. Mbele ya mlango ya kanisa lenu. Aller lentement. Akitembea kwa uzembe. Pourquoi il court? Juu ya nini wanakimbiaka? Et très tôt le matin. Tena asubuhi mapema. J'ai dit, Nikamjibu, ils savent ce qu'ils cherchent dans l'église. Wanakwaka wanajua yenye wanatafuta kule. Unaweza zarau kitu. Ndio ndio. Mimi mwenye nacho nakijua. Mais le propriétaire sait connaît la valeur de ça. Kuna watu wanaiwa vile neno lilibajengea bunyumba. Il y a des gens qui sont reconnaissants de la manière dont la parole les a aidés. Il y a des gens qui savent que n'eût été la parole, leur foyer n'allait pas être stable. Kuna watu wanajua ndani yao kwamba haingelikuwa ujumbe unyumba yao haingetulia. Il y a des gens kuna watu qui savent que s'ils ont la paix du cœur, wanaojua kwamba ikiwa wana amani ya moyo, c'est à cause de la parole de Dieu. Ni kwa sababu ya neno la Mungu. Si toi tu ne vois pas la valeur. Ikiwa wewe hauone samani. Taisez-vous. Jinyamanzie. Laissez les gens qui en connaissent la valeur en bénéficier. Acha watu wanaojua samani ya neno wafaidike nalo. Amen. Amina.
Je connais des gens ici que nous avons baptisés qui allaient se séparer dans cette semaine. Je les vois même certains d'entre vous ici qui étaient dans le chemin de se séparer dans cette semaine où ils s'étaient déjà dit on se sépare. Maintenant ils ont pris des années ensemble. C'est lui qui va lui dire que la parole ne lui a pas servi. Amen. Ça c'était le premier exemple il a donné à Dieu. Deuxième exemple, Abraham entend que Lot a été enlevé. Il y prit ces jeunes gens, 318, qui avaient grandi chez lui. 318. Qui avait grandi chez lui. Quelqu'un reste chez toi. Il va même pas finir deux jours. Anakimbia. Il s'en va. Sababu ya vile unamkamata. La manière dont toi tu le traites. Ah oui oui. Et que même c'est difficile. Familia lale kwako deux jours. Que tes familles passent la nuit deux jours chez toi. Na mihali haianza. Et que tu ne commences pas des bagarres, des troubles. Kwa Abraham kulikuwa 318. Chez Abraham, il y avait 318 personnes. Na bale njoba kwenda gombana. Et puis ce sont les gens qui pouvaient aller se battre. Haiko ma berger. C'est pas les bergers. Hawakuwaka wachungaji. Ça y a vite. Lors de la guerre, ce sont les gens qui devraient aller les sauver. Tu ne sais pas, ceux-là que tu gardes à la maison aujourd'hui, les jours qui viennent, ils peuvent te venir en aide. Ces gens peuvent t'aider dans les jours qui viennent. Et ils diront, j'avais grandi chez elle. Il m'avait élevé. Oui, moment. Oui. Tu ne peux pas élever quelqu'un qui n'aura pas de problème ou de. C'est une personne. Oui, façon la manière dont tu vas le gérer. La sagesse. La sagesse. Boussara. Amen. Alléluia. Amen. Abraham parti. Abraham kaenda. Très rapidement. Haraka sana. Il s'est battu avec 10 rois. Alienda kapigana na wafalme 10. 10 armées. Majeshi 10. Avec 318 personnes. Na watu 318. Muta kisha kwa na Mungu haogopake. Hakuna. Quelqu'un a déjà dit il n'a pas de père. Il récupère Lot. Aka mupata loti. Il récupère tout. Aka toa vyote. Il arrive dans la route. Alipofika njiani. Quand le Seigneur le voit. Wakati Mungu alimuona. Dans la route. Njiani. Le Seigneur fait descendre la Sainte Seine. Mungu akashusha meza ya Bwana. Dieu amène le pain. Mungu akaleta mkate. Il amène le vin. Na akaleta vino. Abraham est en train de passer. Abraham alipopita. Il voit une table. Akaona meza. Il voit un homme qui s'appelle Melchisedek. Akaona mume mtu anayeitwa Melchisedek. Qui n'a pas de père. Ambaye hana baba. Qui n'a pas de mère. Hana mama. Qui n'a pas de tante. Hana shangazi. Qui n'a ni parents. Mwenye hana mzazi yeyote. Qui? Nani? Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. Lui donne à la table. Akamupa meza. Dit Abraham. Kaambia Abraham. Mange. Kula. Et bois. Na unywe. Je te fais la table. Na kufanyia meza. Comme un vainqueur. Sawa mshindaji. C'est la première sainte scène que Dieu a donnée à un homme. Ni meza ya Bwana Mungu aliyopatia mwanadamu. Abraham en mangeant, Abraham alipokula, il lui donne la dîme. Naye akamupa chakumi. Il lui donne la dîme. Akapatia Melchisedek chakumi. Mais ce qui m'attire dans les versets. Lakini kinachonivutia katika andiko lenyewe. Regardez ici. Mwangalie hapa. Le roi de Sodome dit Abraham. Mufalme wa Sodomu kambia Abraham. Donnez-moi les personnes et prends toi les richesses. Pour toi les richesses. Nipatie watu na utwae utajiri. Nipatie watu. Wewe. Vienyuli nyanganya kule. Bebe. Ubibebe. Dio. Abraham répondit au roi de Sodome. Abraham kajibu mfalme wa Sodomu. Je lève ma main vers l'Éternel. Na inuria Bwana mkono. Le Dieu très haut.
Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil. Hata kamba moja, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Alléluia. Ili kwamba usiseme, nilitajirisha Abrahamu, hangekuwa na chochote bila mimi. Seulement, ila tu, c'est comme manger les jeunes gens. Yenye vijana walikula. Et la part des hommes qui ont marché avec moi, na sehemu ya watu waliotembea na mimi. Aner, Eskol, Eskol et Mamre, eux, ils prendront leur part. Na Mamure, wao watatua sehemu yao. Sikia! Écoute! Sikia! Écoute! Sikia! Écoute! Sikia, nataka maliza, mais usikie. Amen, amen, amen. Mais écoute. Alienda gombana. Il est parti se battre. Bitu ya Sodome Gomora balikuwa balipie mungini yote. Toutes les choses qu'on avait déjà pillées de Sodome et Gomorra. Oui, oui. Bakabeba na mali zote. Ils avaient tout emporté, des richesses. Bakabeba na batu. Ils avaient tout emporté. Abraham sana ba piga. Et Abraham quand il les frappa, ana récupéré mali yote. Il avait récupéré tous ces biens là. Na batu. Et tous les gens. Mufalme akamwambia. Et le roi lui dit, kukulipa te payer pour, kazi pour ce que tu viens de faire. Toi, donne-moi juste les gens qu'on avait déjà emportés. Donne-moi ces gens. Franga zenyu menyanganya kule zenyu merekipe. L'argent et les biens. Na vitu. Et les biens. Mina bikutolea na wewe. Je te les confie, je te les donne. Abraham akamwambia. Abraham dit, mie. Moi. Moi, je pars avec les biens. Et qu'est-ce tu commences à dire que si je suis pardon, c'est à cause de toi? Jamais. Jamais. Toi, prends les gens et prends aussi les biens. Oui, si c'est moi qui assume, il quoi patron? Que tu ne dises pas que je suis devenu un patron. À cause de tes biens. Amen. De ton argent. Amen. Bonne décision. Sikia! Écoutez. Mutu aliyezaliwa na Mungu. Quelqu'un qui est né de Dieu. Macho yake haikwake kubutajiri wa bure. Je ne regarde pas la richesse du monde. Non 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 non. Amen. Na hawezi penda kuwa na vitu venye vinasindikizwa na majina seme mie ndio nilimfanya patron. Il ne peut même pas souhaiter prendre des choses qui seront accompagnées par des choses qui diront que non, c'est elle qui m'a rendu patron. Ana roho ya kupana. Il a un esprit de donner. Amen. Amen. Il dit au roi de Sodome, vitu, les biens, beba, tu prends. Batu, les gens, toi là, tu prends. Bien yendakua nabio ni bien yemunga linipa. C'est dont j'aurais besoin, c'est que le Seigneur m'a confié. Aba messieurs batatu ni lienda nabo kufron. Et qu'on dise pas les gens que j'ai. Eskol, Eskol, Aner, Namamre. Amen. Babo bapati et biabo. Les gens avec qui je suis allé au front, tu leur donnes leurs biens. Prends. Les restes tu prends. Wikale na unoya seme na mawazo yako reste tout en sachant que si wazaki aseme même dans tes pensées nilienda gombana juu nilikuwa na hamu ya vitu que je suis allé combattre parce que j'avais envie ou besoin des choses du monde ou si waza seme nilikuwa mchungaji je suis pasteur juu kutafuta lare mkanisa pour avoir de l'argent dans l'église non 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 ou si waza seme que tu ne penses pas nilikuombea que je prie pour toi kipona, pour que quand tu seras guéri tu m'enveloppe kwako que tu puisses m'envoyer une enveloppe à chez moi non. Que tu ne passes pas quand j'arrive chez toi kuomba, en priant. Je vois souvent une coutumier cartas à semer franga za king. Pour que le lendemain matin je t'envoie une lettre disant envoie-moi l'argent de protection. Ici à l'exer, les gens sont maltraités. Franga za ukingo. L'argent de la protection. Franga za ulinzi. L'argent de protection. Franga za uzao. L'argent pour la. Franga za kuchunga usiku. Pour la protection la nuit. Franga za kuchunga parcelle. Protection de la parcelle. Franga za kuchunga mtu contre balozi. L'argent pour te protéger contre les féticheurs et les autres. Franga za kubariki tumbu. Les gens pour bénir ton ventre afin d'avoir des enfants. Bana. Oh. Mulipewa kwa bure, toeni kwa bure. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Huduma za kweli. Les ministères, les vrais ministères. Haiko za kukongola pesa zisizokuwa na sababu. Ce ne sont pas des ministères qui reçoivent de l'argent sans valeur. De commerce dans les choses de Dieu. Hapana kufanya uchuruzi katika karama za Mungu. Amen. 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 Amina. Amen. Amen.
Oh, unaona. Vous voyez. Hii magonjwa yako. C'est votre maladie. En tout cas, pour que upone. Pour que vous soyez guéri. Pieneza tu 50. Hein? Si tu donnes 50. Tunaweza ona vile tunaweza kufanyizia ta gene ya 2 jours. 50 dollars, nous allons voir comment faire un gene de 2 jours. Zila aniwe kabisa mchina lesa. Que cet argent soit maudit. Tunaweza ona. Nous pouvons voir. Ilisha kuwa facture. Est-ce que c'est devenu une facture que tu dois payer? Oh. Oh, naona. Vous voyez? Je vais monter à la colline à lundi. Je peux commencer le lundi. Pas qu'à vendredi. Jusqu'au vendredi. Bon, mais, bon, mais si tu me fais une enveloppe de 100 dollars, bon, je peux. Je vais voir ce que faire. Je peux quand même aller à la natte pour prier pour toi. Naona dossier yako. Quand même, ton dossier, c'est un dossier difficile. Hein? Et je ne suis pas sûr ce que Dieu va répondre. Tu pars prendre une dette. De l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Amen. Il est unyanyasi. Dans le travail de Dieu. Mukazi ya Mungu. Vraiment. Wana wa Abraham. Oh, les enfants d'Abraham. Wakipewa huduma. Lorsqu'ils reçoivent un ministère. Wakipewa huduma. Lorsqu'ils ont un ministère. Nikuonyeshe batu Yesu. Le ministère de montrer aux gens Jésus-Christ. Haiko kukongola. Ce n'est pas pour commander l'argent. Na kuintimider batu. Ou intimider les gens. Mimi naona mwi deux semaines. Je vois dans ces deux semaines. Tapigwa na magonjwa ya nguvu. Serai frappé d'une grave maladie. Mais je peux prier pour vous les jeudis. Hawezi maliza hii mwaka. Oh, tu ne peux pas finir cette année. Mwaka. Hawezi maliza hii mwaka. Tu ne vas pas finir cette année. Bon. Lakini. Osema Bwana Mungu wa majeshi. Ainsi dit le Seigneur. Mbuzi mbili. Deux chèvres. Moja ichinjwe. Qu'on égorge une. Une enveloppe à 300. Et une enveloppe de 300 dollars. Ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas suffisant. Oh mon enfant, mon enfant. Encore une autre chèvre, la quatrième. Ajoute une quatrième chèvre. Pourtant, il a une affaire à faire avec cette chèvre. Non, c'est ma bonne voix majeure. Ainsi dit le Seigneur. Si je m'bouge, c'est amigoulou. Non, que ce ne soit pas de chèvres naturelles. Si je me valeur et appelle ça. Que ce soit en espèces, en argent. 80! Mbouzi moya, ma communauté dollars. Une chèvre, 80 dollars. Aïko huduma ya mwana wa Abraham. Ce n'est pas le ministère de fils. C'est pas un ministère du fils d'Abraham. Amen. Jamais. C'était un ministère de bandits. Ni huduma ya wanyanyasi. Les lois la chair. Mwamui toujours ya mimbari. Amen. Le vol est sur la chair. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Si à toi ya chochote kilichochako. Pas même un fil. Hata uzi moja. Ni un cordon de souliers. La Kamba ya kiatu. Afin que tu ne dises pas. Ili kwamba usiseme. J'ai enrichi Abraham. Nilitajirisha Abraham. Rien pour moi. Si toi chochote. Rien pour moi. Si toi chochote. Ukikwisha toi sadaka zako. Si tu auras quand tu auras fini à payer tes offrandes. Et la dîme. Fini. Mwisho fini. Pale. Na samwe na kwenye zitaenda hazitakuliwa na watu tena. Même cet argent là on amènera ça ça na zitaenda mkazi ya Mungu na samwe zinakuwa za kidogo na bachungaji tena banaongeza zao. Et ça servira pour l'œuvre de Dieu et même ça sera insuffisant et les serviteurs pourront même ajouter quelque chose d'autre. Ah oui oui. Habata kuzungukako. Et ils ne seront pas en train de te suivre pour te demander de l'argent. Ili bakutoshe mofranga. Pour te demander de l'argent. Non non. Amen. Amen. Sikutane na mchungaji munjia. Kete trouve pas les rencontres pas les serviteurs en cours de route. Iko sa ile 300 yangu njoo baliuza ile koti. Oh, apparemment c'est 300 dollars que j'ai donné qu'on a utilisé pour acheter la veste que porte le pasteur. Ajab. Oh, gari ya mchungaji lishakosa carburant. Oh, le véhicule du pasteur n'a plus de carburant. Mchango, mchango. Cotisation, cotisation. Tuliletwa kutafuta roho za watu.
Nous avons été appelés pour chercher les âmes de Dieu. Pour qu'ils soient en communion avec Christ. Amen. Si vous obéissez à la parole, cela est suffisant pour les serviteurs. Si vous faites ce que la parole exige, cela est suffisant. Amen. Amen, amen, amen. Bon, munaona. Voyez. Nous sommes au point 5, nous avons déjà fait 4. Il est déjà 9h50. Aidez-moi. Bon. Il reste encore 2 points. Sibile. Oui. Minataka tubi ba annoncer. Nous voulons juste vous annoncer ces 2 points. Si tabi facilier. Je ne vais pas expliquer. Kisha siku zitakuyaka. Mais les jours suivants, tutaongea ka Abraham. Nous parlerons d'Abraham. Na uzao wake. Et sa descendance. Nous ajouterons ces 2 points qui restent. Et je ne vais même pas en parler. Apana. Tu n'as mis chez Machoyet. Courbons nos têtes. Amen.